Vendredi 5 décembre, salut à tous et bienvenue sur le plateau de la Matinale Sport. J'espère que vous avez bien dormi. Comme tous les jours, on débute cette édition par les titres. Conséquence de la crise économique, Honda se retire de la Formule 1. L'écurie japonaise avait terminé 9e cette année du classement constructeur avec Barrichello et Button comme pilote. Du changement en tête du Vendée Globe, Yann Eliès a pris les commandes cette nuit devant Sébastien Joss et Loïc Perron. Les écarts sont infimes après un mois de course. À la Coupe de l'UEFA, défaite des Nancéens hier soir à domicile. Le score 4-3 face au CSKA Moscou. Les Lorrains restent en course tout de même pour les 16e de finale. En Euroleague de basket, en revanche, les Nancéens sont très loin de la qualification. Le SLUC battu à Barcelone hier soir 91-68. Voilà, tous ces titres seront développés dans quelques instants dans le journal. Au programme de la deuxième partie, dans un peu moins d'un quart d'heure, nous reviendrons évidemment sur la défaite de Nancy hier soir face au CSKA à Moscou. Vous verrez que l'arbitre de la rencontre a eu des petits soucis avec ses cartons jaunes. Nous parlerons également cyclisme, Lance Armstrong, Alberto Contador, les retrouvailles. Et puis boxe, nous irons rejoindre, et oui, Oscar de la Hoya dans cette matinale sport. Et nous aurons le plaisir de recevoir Johan Lachor, le joueur de Boulogne-sur-Mer. Mais avant cela, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. La crise économique n'épargne personne et touche désormais la Formule 1. Honda vient en effet d'annoncer son retrait du championnat du monde et ne sera donc pas au départ de l'édition 2009. Cette année, l'écurie japonaise a terminé au 9e rang du classement constructeur. Ses deux pilotes, Rubens Barrichello et Jenson Button, se sont classés respectivement 14e et 18e du classement. Du changement en tête du Vendée Globe, Yann Eliès est passé devant Sébastien Joss. Son avance sur le skipper de Biti n'est que de 2000. Loïc Perron reste 3e. Jean-Pierre Dick et Jean Le Cam naviguent quasiment main dans la main en 4e et 5e position. Derrière, les écarts restent serrés. Michel Desjoyeaux ferme ce groupe de tête à 120 000 du nouveau leader, Yann Eliès. Pablo Correa devra patienter. Nancy n'a pas encore validé son ticket pour les 16e de finale de la Coupe UEFA. Le club lorrain affrontait au stade Marcel Picot un CSKA à Moscou déjà qualifié et qui encaisse le premier but de cette partie. Un but signé Zerka sur cette frappe qui ricoche sur le poteau dès la 4e minute. Venus confirmer leur première place du groupe H, les Moscovites réagissent moins de 20 minutes plus tard grâce à leur vedette brésilienne. Wagner Love qui va frapper. Oh, c'est bien joué. Voilà l'égalisation. L'égalisation du CSKA à Moscou signée de l'inévitable et du très talentueux Wagner Love. À la demi-heure de jeu, Nancy craque une nouvelle fois. Cette fois, c'est Ramon qui pousse le ballon au fond. Nancy a les deux épaules au sol et Wagner Love enfonce le clou en seconde période avec un deuxième but personnel à l'heure de jeu. Ferrer relance la formation lorraine à 20 minutes du dénouement sur une déviation astucieuse de Moncef Zirka. La rencontre s'emballe et les Nancéens parviennent à égaliser à la 78e grâce à Kamerlin. Mais Wagner Love s'offre un triplé en fin de match, défaite 4-3 des Nancéens au terme d'une rencontre complètement folle. Les hommes de Pablo Correa joueront donc leur qualification dans 2 semaines à la Corogne. Je crois qu'il faut retenir qu'on a livré vraiment un match d'exception, un match plein où les garçons avaient envie vraiment de mordre dans cette équipe de Moscou. Mais là, on peut dire qu'on a vu un match avec un joueur d'exception et puis une équipe aussi qui n'a rien lâché. On aurait pu penser, même en étant leader de ce groupe, qu'ils auraient pu peut-être être en vacances avant l'heure. Et ce soir, on a vu une équipe de Moscou qui a joué le jeu et qui malheureusement nous a battus. La Corogne, de son côté, a été tenue en échec en Pologne par Lech Poznan. Les Espagnols avaient ouvert le score par Colotto dès la 2e minute. Égalisation de Rengifo juste avant la mi-temps. Les deux équipes joueront donc leur qualification lors du dernier match. Le Deportivo accueillera Nancy. Et Poznan se déplacera à Rotterdam pour y affronter Feyenoord. Avant de se déplacer à Saint-Etienne, d'ores et déjà qualifié pour le prochain tour, Valence a fait match nul à domicile face à Bruges dans le groupe G. Le score 1-1, un résultat synonyme de 16e de finale de la Coupe de l'UEFA pour les Espagnols. Pourtant, en première période, Alcaraz profite de la mauvaise sortie du portier adverse pour trouver le chemin des filets. À l'heure de jeu, le Serbe Zigic place sa tête et égalise un partout, score final. Donc, Bruges jouera sa qualification à domicile face à Copenhague lors de l'ultime journée. Saint-Etienne et Valence se disputeront, eux, la première place du groupe. Dans l'autre match de ce groupe G, Copenhague et Rosenborg se sont également quittés sur un match nul 1-1. Dans la poule E, Wolfsburg a battu Portsmouth 3-2.
Victoire également du Sporting Braga sur la pelouse des Rennes. Les Allemands et les Portugais sont donc qualifiés pour les 16e de finale. Dans le groupe F, Aston Villa a chuté à domicile face aux Slovaques de Žilina. En Bourse est imposé 2-0 Slavia Prague. Les Anglais et les Allemands joueront le prochain tour, tout comme l'Ajax d'Amsterdam qui était exempt. Début ce soir de la 17e journée de Ligue 1. Bordeaux, toujours invaincu à domicile, cette saison accueille la Lanterne Rouge Valenciennes. En cas de victoire, les hommes de Laurent Blanc reviendraient provisoirement à la deuxième place du classement. Demain, à suivre notamment le derby entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Dans le bas du classement, Saint-Étienne reçoit Le Havre. De son côté, le leader lyonnais est en déplacement chez un autre mal classé, Nantes. Dimanche, Monaco est opposé à Sochaux. En soirée, le Paris Saint-Germain affronte Le Mans. Le leader de Ligue 2, Boulogne-sur-Mer, accueille ce soir l'équipe de Tours pour le compte de la 17e journée de championnat. Dans le même temps, le Dauphin Lensois se rend à Reims. Les Sang et Or tenteront de se rattraper après leur défaite à domicile de la semaine passée face à Sedan. Metz accueille Angers et aura l'occasion de prendre provisoirement la 3e place à Strasbourg, qui se déplace à Amiens lundi. Seulement deux matchs au programme cette nuit en NBA. Bien emmené par les 39 points de Dirk Nowitzki, Dallas a dominé Phoenix. De son côté, Boris Dio inscrit 11 points pour les Suns. En ce moment, Tony Parker et les Spurs sont aux prises avec les Nuggets de Denver, 3e de la Conférence Ouest. Nancy perd, mais avec les honneurs, le champion de France en titre s'est incliné non sans avoir démérité sur le parquet du grand FC Barcelone. Bon début de match des Nancéens qui font jeu égal avec les Catalans, du moins jusqu'au milieu du deuxième quart-temps. Trois joueurs du SLUC terminent d'ailleurs avec 7 points au compteur en première mi-temps et notamment Stichy Kambou qui a largement contribué à maintenir Nancy au contact. Mais les coéquipiers de Juan Carlos Navarro accélèrent alors la cadence, l'ex-joueur de Memphis qui y va de son panier à 3 points très longue distance. Oh là là, il prend le shoot à 10 mètres ! NBA, 7m23, messieurs dames ! Nancy redémarre à merveille le deuxième acte, assénant un 10-5 aux Espagnols, grâce entre autres aux 18 points de Cyril Julian qui termine meilleur marqueur de son équipe. En face, Barcelone finit par dérouler et s'impose 91-68. Nancy devra gagner face à Sopot lors de la prochaine journée pour conserver une chance de qualification pour le top 16. Dans les autres matchs de ce groupe B, le Palatinaikos s'est largement imposé sur le parquet de Kaunas 80-69 avec notamment 15 points de Yazik Evicius. Mercredi, Sopot a chuté face à Sienne. Au classement, Barcelone, Sienne et le Palatinaikos sont tous les trois leaders avec 11 points. Sopot est 4e avec une petite longueur d'avance sur Nancy 5e. Kaunas ferme la marche avec 6 défaites en 6 matchs. Montpellier reste dans la course à la qualification pour les quarts de finale du challenge européen. Les Montpelliérains ont battu Toulon à Yves du Manoir. Le début de match est marqué par la fébrilité des deux équipes qui multiplient les pertes de balles. Et il faut finalement attendre la 25e minute de jeu pour voir le premier essai. À la suite d'un regroupement, le centre montpelliérain Ricus Loubet file à l'essai. À la mi-temps, Montpellier mène 8-3. De retour des vestiaires, les joueurs de Tanaumaga accélèrent et Lovo Balavu donne l'avantage aux Varois 10-8. Mais à 8 minutes de la fin, Saramea sur pénalité offre la victoire à son équipe. Score final 14-10 pour Montpellier. Avec 3 défaites en 3 matchs, Toulon est quasiment éliminé du challenge européen. Début ce soir de la 3e journée de la Coupe d'Europe. Dans le groupe 1, Montauban tentera de remporter son premier match dans cette compétition face à Sébastien Chabal et Sale. De son côté, Biarritz se déplace à Cardiff dans la poule 6. Demain, Castres défiera la province irlandaise du Leinster dans le groupe 2. Pour le compte de la poule 3, Perpignan, toujours sans Dan Carter, va jouer à Leicester. Le Stade français accueille les Harlequins dans le groupe 4 et le Stade toulousain reçoit les Gallois de Newport dans la poule 5. Enfin dimanche, Clermont jouera contre la province irlandaise du Munster pour le compte du groupe 1. Ce soir, la France au très rajeuni tentera d'oublier sa défaite contre le Danemark. Pour leur deuxième match dans cet Euro, les filles d'Olivier Crumble seront opposées à la Roumanie. Quant aux Danoises, elles joueront contre la Hongrie. Et puis dans le groupe B, l'Ukraine, l'unique leader de cette poule, rencontrera la Norvège et l'Espagne affrontera le Portugal. Elle en est finalement, Laure Manaudou s'est inscrite au championnat de France en petit bassin qui débute ce vendredi à Angers. L'ancienne championne olympique avait annoncé dans un premier temps qu'elle ne viendrait pas. Elle a finalement changé d'avis. Manaudou est alignée sur 7 courses, dont le 200 dos et le 50 mètres nage libre qui se déroule aujourd'hui. Demain, la nageuse de Marseille aura l'occasion de se mesurer à Coralie Balmy lors du 200 mètres nage libre. Balmy qui a signé la meilleure performance mondiale de cette spécialité en début de saison.
Le super combiné de Beaver Creek se déroulera à Val d'Isère. La manche de Coupe du Monde de ski qui devait avoir lieu hier dans le Colorado a été annulée pour cause de fortes chutes de neige. La course sera donc reprise le 12 décembre prochain sous la forme d'un super G et d'un slalom. Le lendemain, la station française organise déjà un géant et un slalom. L'organisation a confirmé que la piste était prête pour accueillir ce super combiné. Qui sera le leader de l'équipe Astana lors de la prochaine grande boucle, Lance Armstrong ou Alberto Contador? Le premier a remporté 7 fois le Tour de France, le second une fois. Lors d'une conférence de presse hier, les deux hommes se sont exprimés, pas question de parler de rivalité. Je ne viens pas pour prendre le boulot de quelqu'un ou pour lui voler ses titres. Je viens pour différentes raisons. J'ai beaucoup de respect pour Alberto Contador. Aujourd'hui, le 4 décembre 2008, à l'approche de 2009, c'est le meilleur cycliste du monde. Notre relation se passe très bien. C'est un énorme champion. Ça a toujours été une référence pour moi. N'importe qui aimerait avoir Lance Armstrong dans son équipe. Je vais pouvoir profiter d'un bon entraînement et d'un bon compagnon de course. Non, je suis vraiment très heureux. Si Alberto Contador désire remporter le Tour de France 2009, Lance Armstrong lui n'a pas avoué cette ambition. L'état de forme des deux hommes avant juillet fera en tout cas la différence, un argument qui permettra au directeur sportif d'Astana de trouver son leader et de conduire ainsi son équipe à la victoire. Voilà pour le journal, ne bougez pas, dans un peu moins de 2 minutes, nous reviendrons sur la défaite de Nancy hier soir face au CSKA Moscou. Vous verrez que David James, le gardien de Portsmouth, a une nouvelle fois frappé. Nous parlerons cyclisme et boxe. Oscar de la Hoya sera dans cette matinale et puis nous recevrons sur ce plateau Johan Lachor. Mais avant cela, la météo, la pub et on se retrouve dans 2 minutes, à tout de suite. La météo de ce vendredi 5 décembre, la perturbation de la veille se maintiendra sur l'ensemble du pays. De fortes précipitations sont attendues tout au long de la journée, des Pyrénées jusqu'aux côtes de la Manche. Les conditions de jeu devraient être difficiles au coup d'envoi du match de Ligue 1 entre Bordeaux et Valenciennes. Les températures douces seront en légère hausse, il fera 6 degrés à Strasbourg, Lille et Orléans dans la matinée. Les maximales seront enregistrées à Bastia avec 15 degrés dans l'après-midi. Nissan Qashqai, le crossover compact à l'épreuve de la ville. Nissan Qashqai, à partir de 19 850 euros. Nouvelle Duracell Ultra, elle dure encore plus longtemps. Tellement d'énergie pour aller encore plus loin. Duracell Ultra, aucune pile alcaline ne dure plus longtemps. Et pour 8 piles achetées, 4 sont offertes dans ces packs Duracell Ultra. You are the sun to me, and I want you near me. Dreaming of you day after day. T'es sûr que c'est 7%? Le livret MMA, c'est 7% de garantie jusqu'à fin février 2009. 7% et ton argent est toujours disponible. Allez, pas une minute à perdre. 7%, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Retour sur le plateau de la matinale sport, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On débute cette deuxième partie par du football et par la coupe de l'UEFA, vous l'avez vu dans le journal tout à l'heure. Match épique hier soir à Marcel Picot, Nancy a été battue par le CSKA Moscou, défaite 4-3. Le bourreau des Nancéens a été sans conteste Wagner Love, auteur d'un triplé et du but de la victoire. Un but que je vous propose justement de revoir avec les commentaires de Thierry David et Olivier Rouillet. Attention, attention sur le côté. Il tient debout en plus, attention. Et il marque. Aïe, aïe, aïe. Quatrième but. Quel
Qu'est-ce qu'il est malin, mais qu'est-ce qu'il est malin. Et qu'est-ce qu'il est fort, surtout. Oh là là, trois buts marqués par Love, quelle qualité. Il a résisté à Macaluso, il l'a éliminé, et ensuite il vient frapper ce ballon, ne laissant aucune chance à Brasiliano. Voilà, enchaînement magnifique de Wagner Love, qui a même séduit, vous allez l'entendre, le président de Nancy. Je veux dire qu'on a vu un match avec un joueur d'exception, et puis une équipe aussi qui n'a rien lâché. On aurait pu penser, même en étant leader de ce groupe, qu'ils auraient pu peut-être être en vacances avant l'heure. Et ce soir, on a vu une équipe de Moscou qui a joué le jeu et qui malheureusement nous a battus, mais je pense qu'on méritait de faire au moins match nul, d'autant qu'on avait été mené 3-1. On revient à 3-3 et puis on prend le dernier but par ce joueur d'exception. Voilà, alors au classement, les choses ne sont pas forcément catastrophiques, puisque hier, Poznan et La Corogne ont fait match nul un partout. Et en cas de nul, justement, avec les Espagnols dans 15 jours, la SNL accéderait au 16e de finale de cette Coupe de l'UEFA. Et puis, une petite image pour se faire plaisir. Vous connaissez le surnom du gardien de Portsmouth, David James, c'est Calamity James, qui n'a jamais aussi bien porté son petit sobriquet, puisque, regardez ces images hier, il a offert à lui tout seul la victoire à Wolfsburg. Merci. Au revoir, Misimovic n'en espérait pas tant. Victoire 3-2 des Allemands, David James sur les fesses. Pathétique ou très drôle, choisissez ce que vous voulez. Ce soir, place à la Ligue 1. On jette d'ailleurs un coup d'œil sur le programme de cette 17e journée. Bordeaux accueille Valenciennes ce soir. Demain, Marseille affronte Nice. Après bien des remous, on en a parlé cette semaine, Lyon se déplace à Nantes. Dimanche, enfin, Paris reçoit Le Mans. Une rencontre à suivre sur Canal+. On parle maintenant Ligue 2 avec l'invité de la matinale sport. Et l'invité de la matinale sport ce matin, c'est l'un des cadres de Boulogne-sur-Mer, actuel leader de Ligue 2, Johan Lacheur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler du phénomène Boulogne-sur-Mer, on va jeter un coup d'œil tout de suite au programme de la 17e journée. Votre équipe accueille Tours. Parmi les autres rencontres, vous le voyez, Lens, deuxième, se déplace sur la pelouse de l'avant-dernier, Reims. Et puis lundi, Amiens accueillera Strasbourg. Boulogne-sur-Mer, c'est donc la surprise de la Ligue 2. Vous êtes devant Lens, devant Strasbourg, devant Metz, bref, tous les favoris pour la montée à la Ligue 1. Comment vous expliquez un peu ce phénomène Boulogne-sur-Mer ? Moi, je dirais que c'est un ensemble de choses qui nous permet d'être là à ce moment de la saison. Il y a tout d'abord, je dirais, l'avantage d'avoir gardé le groupe soudé de la saison dernière, qui a vécu une saison difficile, donc ce qui nous permet d'avoir une force mentale, je dirais, assez importante. Ce qui a permis aussi, je dirais, aux recrues d'être performants très vite, parce que voilà, le groupe était déjà formé, donc ça a été facile pour moi notamment et pour les autres recrues d'être intégrés rapidement et d'être performants. Et puis ensuite, bon, il y a aussi un peu de réussite, il ne faut pas se voiler la face. On a connu des matchs très difficiles, on ne méritait pas forcément de prendre 3 points. Malgré tout, on a gagné ces matchs et voilà, donc ça nous permet d'être leader virtuel pour l'instant, parce que là, c'est un match de moins que nous, mais voilà, on est en tout cas très, très heureux d'être là et on en profite un maximum. Alors vous parlez de réussite, vous êtes un peu modeste parce que vous êtes quand même meilleure défense de Ligue 2. 10 buts seulement encaissés, vous êtes défenseur, donc vous n'y êtes pas pour rien dans ce succès de Boulogne. Oui, bon après, c'est vrai qu'on défend toujours à 11 et c'est toujours un peu flatteur d'être sur les défenseurs, mais bon. C'est un ensemble, encore une fois, c'est vraiment l'équipe qui est performante. Je veux dire, on s'est attaché déjà à ne pas prendre beaucoup de buts cette saison, parce que la saison dernière, je crois qu'ils sont terminés dernière défense. Donc voilà, c'était un challenge pour nous déjà de prendre moins de buts. Et ce qui nous permet encore, après, avec la qualité de nos attaquants et de notre jeu, d'être un peu plus performant aussi devant et de pouvoir gagner les matchs. C'est vrai que quand on ne prend pas trop de buts, c'est un peu plus facile aussi pour être victorieux à la fin, je dirais. Alors, vous l'avez dit, Boulogne-sur-Mer a vécu une saison dernière difficile. Écoutez, changement radical cette saison. Écoutez ce qu'en pense Grégory Thil. Le maintien à la dernière seconde, c'est un truc de fou, parce que ça arrive jamais, ça arrive une fois dans une carrière. Ça a renforcé les liens qui existaient déjà entre les joueurs, entre les différentes composantes du club. Et puis voilà, ça a renforcé, ça nous a donné plus de force. Voilà, alors on le rappelle, le club la saison dernière ne s'est sauvé que lors de la dernière journée, dans les ultimes secondes de la partie, grâce à un but de Damien Périnel qui est toujours au club. Vous avez instauré quelque chose à l'entraînement en rapport avec Périnel, c'est ça ? Oui, un petit truc sympathique, c'est-à-dire qu'à la fin des exercices physiques, des petits jeux, des choses comme ça, ou lors de la musculation, on a toujours notre minute supplémentaire, je dirais. La minute Périnel. La minute Périnel, voilà, qui nous fait travailler un petit peu plus, parce qu'ils aiment dire que c'est grâce à ça qu'on,